vais essayer de faire beaucoup plus de tests critiques. Tiens donc. Oh, mais c'est vous les amis. Pfiou, ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas vu. Comme on pourrait dire pour rester dans le thème. Long time no see. Mais plus sérieusement, oui, vous ne rêvez pas, le grand monarque que je suis est effectivement de retour, et pour de bon. Ça faisait 2 ans, genre vraiment 2 ans, c'est assez fou, je n'ai absolument pas vu le temps passer. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? En réalité, j'avais une envie folle de faire des vidéos, mais dès que j'essayais d'ouvrir un document texte ou de réaliser un montage, ce que je produisais ne me plaisait plus, j'avais l'impression de toujours pouvoir faire mieux. J'ai eu une passe sans finalement. Mais trêve de sentiments, puisqu'aujourd'hui je suis de retour, pour essayer de surmonter ce manque de confiance et produire, je l'espère, la meilleure vidéo de ma chaîne. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet chaud. Brûlant comme la braise, dirais-je même. D'un titre provenant de ma série de jeux vidéo préférée, de l'un des jeux les plus connus de tous les temps, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons, Sonic the Hedgehog 2006. Et oui, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis un immense fan de Sonic. C'est mon héros, mon personnage préféré de jeux vidéo, l'icône avec laquelle j'ai grandi et qui représente mon plus grand idéal, celle d'une personne libre et attentionnée qui court toujours droit vers l'horizon, le sourire aux lèvres, sans jamais se retourner. Donc forcément, quand on parle de l'année 2006, ça ramène des flashbacks dramatiques dignes des meilleurs mangas shonen, celle d'une époque où Sonic était au plus bas et venait de prendre un coup du feu de dieu sur son image, avec le fameux opus dont on va parler aujourd'hui. Cependant, avant d'aller plus loin et d'expliquer les raisons d'un tel échec qui suit encore le hérisson de nos jours, je vais retracer le plus brièvement possible l'histoire de Sonic jusqu'à Sonic 2006 en répondant à une question très simple. Sonic, bah c'est qui et c'est quoi, mais surtout, quelle est l'histoire du hérisson avant cette catastrophe retentissante dont tout le monde a entendu parler de près ou de loin, et dans quel contexte celle-ci est-elle survenue? Attaque! I finally found him. The Iblis Trigger. Sonic, ou Sonic the Hedgehog de son nom complet, c'est à la base un petit hérisson bleu rapide comme l'éclair qui vit en écoutant son cœur et en jouant par ses propres règles afin de faire ce qui lui semble juste. Il passe la plupart de son temps à protéger ses proches et les créatures de sa planète, notamment contre les plans machiavéliques du maléfique Ivo Robotnik, plus connu sous le nom de Dr. Eggman. Il est la mascotte de Sega et un véritable symbole à en devenir du jeu vidéo dans son ensemble quand il débarque sur la Sega Mega Drive en 1991 dans Sonic the Hedgehog premier du nom. Un titre créé et développé par la Sonic Team et dont les trois gros noms à retenir sont ceux de Hirokazu Yasuhara, Naoto Oshima et Yuji Naka, souvent crédités comme les créateurs du hérisson bleu. Sonic existe à l'origine dans un but bien précis, celui de contrer un certain plombier moustachu, mascotte du géant Nintendo, qui commençait à un peu trop s'imposer sur le marché. Son premier jeu est le résultat d'une formule simple et antithétique à Mario, de la plateforme précise et technique dans des niveaux labyrinthiques avec de nombreuses routes différentes à emprunter. Le tout à vitesse lumière, si vous parvenez en tout cas à garder votre élan tout du long. Une recette exigeante qui met à l'épreuve les réflexes du joueur et sa capacité à prendre des décisions rapidement pour ne pas rater les meilleurs chemins possibles à prendre pour venir à bout des niveaux. Sonic, c'est la représentation même du mot cool, un condensé de style et de charisme qui, à l'instar d'un Mario souvent jugé trop sage et lisse, a su séduire de nombreux joueurs dans les années 90, de par sa classe naturelle, mais également grâce à sa faculté remarquable à se transformer en Super Saiyan. Et oui, car dans Sonic 1, on peut transformer son petit hérisson en Super Sonic, en récoltant les 7 Chaos Emeralds, ou Emeraudes du Chaos en bon français. Elles sont trouvables dans les niveaux bonus, débloquables à la fin de chaque acte du jeu. D'ailleurs, je baise les mères de tous ceux qui appellent Super Sonic Super Saiyan. Oh wait... On s'est transformé en Super Saiyan! «
C'est grâce à tout ça que Sonic 1 est un jeu pratiquement parfait et savamment exécuté. C'est un véritable succès aussi bien côté presque joueur, souvent cité comme l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Une formule qui a marqué le média et les joueurs et qui est très loin d'avoir été oubliée aujourd'hui. Avec son premier titre, Sonic s'impose alors d'ores et déjà comme un succès des plus remarquables et marque l'entrée dans le ring du jeu vidéo d'un petit hérisson dont l'aventure ne faisait que commencer. Il est donc logique qu'en 1992, Sonic soit de retour, toujours sur Mega Drive, dans le deuxième opus d'une trilogie à en devenir, Sonic the Hedgehog 2. Dans Sonic the Hedgehog 2, on reprend tout ce qui a fait le charme du premier jeu en le rendant encore meilleur, et on ajoute à Sonic un petit sidekick trop mignon du nom de Miles Tails Prower. On obtient alors une suite peut-être encore plus culte que le jeu d'origine. Après un Sonic CD excellent en 1993 sur Mega CD teinté de voyage dans le temps et qui se sera chargé d'introduire Amy, la petite amie autoproclamée de Sonic, ainsi que Metal Sonic, son clone robotique, c'est en 1994 que Sonic entame le chapitre final de sa trilogie avec Sonic the Hedgehog 3. L'ultime épisode qui marque l'introduction du troisième personnage le plus iconique de la licence, Knuckles, un échidné, rival de Sonic et gardien de l'émeraude mère ou Master Emerald. Un épisode si ultime que le jeu entier sera d'ailleurs développé en deux parties, avec tout d'abord Sonic 3 qui sortira le 2 février 1993 et Sonic et Knuckles qui lui pointera le bout de son nez le 18 octobre de cette même année. C'est grâce à une technologie révolutionnaire à l'époque du nom de Lock-On, spécialement développée à cette occasion, que ces deux parties pourront alors former un seul et même jeu en associant les deux cartouches l'une à l'autre. Le sommet de la cartouche de Sonic et Knuckles pouvant s'ouvrir pour y insérer celle de Sonic 3. C'est ainsi que le vrai Sonic the Hedgehog 3 se révèle avec 16 mondes contenant 2 niveaux chacun pour un total juste hallucinant de 32 niveaux à parcourir à toute vitesse. Sans oublier 3 personnages jouables, à savoir Sonic, Tails et Knuckles, les 14 émeraudes à récupérer, 7 Chaos Emeralds dans Sonic 3 et 7 Super Emeralds des versions mutées des émeraudes de base dans Sonic et Knuckles qui permettront de les transformer en forme hyper. Attendez, je respire parce que ça fait beaucoup trop là. C'est mon petit préféré de la trilogie originale et je pense que c'est légitime, bien que j'adore les deux autres opus. Sonic 3 marque cependant la fin de ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or du hérisson, la fin de l'âge de la Mega Drive, le crépuscule du nerf où Sonic ne divisait pas. Nous sommes 2 ans plus tard, en 1996, et avec l'intérêt grandissant porté à la 3D, Sonic cessait à l'exercice sur la Sega Saturn, avec Sonic Flicky's Island, plus communément appelé sous le nom de Sonic 3D Blast chez nous. Et ce, après un Sonic Labyrinthe sur la portable de Sega, la Game Gear des plus... compliqués. Et pendant que Mario dans le même temps réussit avec brio son voyage entre les dimensions avec Super Mario 64, Sonic lui va totalement se planter dans Sonic 3D Blast, des plus mauvais et à l'opposé de l'esprit originel de la saga. Ainsi qu'avec un Sonic R... Franchement pas mal. Et oui, non en fait. Le passage à la 3D est extrêmement compliqué pour Sonic, les développeurs étant réellement en difficulté à adapter cette vitesse et ce style dans cette nouvelle dimension. Heureusement, après cette mauvaise passe arrive la salvation. Sonic Adventure 1 en 1998, et sa suite, Sonic Adventure 2 en 2001, tous deux sur Dreamcast, la fameuse dernière console de Sega tombée bien trop tôt. Deux grands succès majoritairement adorés de la presse et des joueurs, à quelques exceptions bien sûr. Sonic was never good. Et personnellement, deux de mes jeux préférés ever qui arrivent à allier une vitesse grisante à un gameplay offrant un grand sentiment de liberté d'action. Ils ont un peu vieilli, mais pour moi, ils restent d'immenses chefs-d'œuvre. Bref, Sonic réussit enfin son passage à la 3D et se permet même de nouer un partenariat avec Nintendo sur GameCube afin de voir sortir ses jeux dessus. Il le faut bien puisque Sega ne fabrique plus de consoles désormais. La GameCube accueillera donc pour commencer 2 remasters, un de Sonic Adventure 2, Sonic Adventure 2 Battle, et un autre du premier opus, Sonic Adventure DX. Tout va bien, ou presque en fait, parce que pendant que la Tornade Bleue se réinvente avec succès en 2D sur Game Boy Advance avec la trilogie des Sonic Advance, voilà que Sonic Heroes et Shadow the Hedgehog pointent le bout de leur petit museau, respectivement en 2003 et 2005. Alors, attention, pour moi Sonic Heroes est un jeu vraiment exceptionnel et c'est mon Sonic préféré, mais il a malheureusement divisé pour cause de contrôle un peu compliqué à prendre en main et globalement d'une formule qui a beaucoup moins convaincu que celle des Sonic Adventure. Il a cependant ouvert les portes à Sonic pour être présent sur plusieurs consoles et pas seulement chez Nintendo, étant donné qu'il est sorti à la fois sur GameCube certes, mais également sur PS2 et Xbox, tout comme Shadow the Hedgehog d'ailleurs. Et concernant celui-ci, eh bien, c'est à peu près les mêmes problèmes qui vont refroidir les joueurs. Des contrôles qui donnent l'impression d'avoir des savons sous les chaussures, une structure globale étrange, et une transition des plus discutables du gameplay de Sonic Heroes dans un jeu de shoot jugé trop... edgy. Nice cock. Pathetic human. Je trouve personnellement que c'est un jeu fun à jouer, on roule sur des policiers tout en ayant du heavy metal à fond dans les oreilles, mais le scénario est assez maladroit et ruine pas mal les arcs de Shadow dans Sonic Adventure 2 et Heroes. Et puis, j'ai mentionné juste avant qu'on roulait sur des policiers. Bref, je ne trouve pas que le jeu apporte grand chose au lore de Shadow, à part du n'importe quoi. Mais aux F de mon avis, parce que nous sommes en 2005, juste après Shadow the Hedgehog donc, et la commu commence à être partagée, pendant que le grand public, lui, voit de plus en plus Sonic comme une icône en déclin. C'est le moment où jamais pour Sega et la Sonic Team de frapper, il faut revenir en force, en particulier avec la nouvelle génération de consoles approchant à grands pas, et faire redevenir Sonic l'icône qu'il mérite d'être.
Et c'est ici qu'on arrive au sujet de cette vidéo, le projet sobrement intitulé à l'époque Sonic the Hedgehog. Ce nouveau projet était censé être le premier jeu Sonic à entrer dans la nouvelle ère de consoles, la 7ème génération, composée de la PS3, la Xbox 360 ainsi que de la Wii, et devait, comme semblait l'indiquer son titre homonyme au tout premier jeu de la série, s'imposer comme une sorte de reboot et hommage aux bases de Sonic. Et celui-ci était certainement le plus ambitieux parmi l'entièreté de la saga, des hubs ouverts, un cycle jour-nuit, une histoire de voyage dans le temps, et j'en passe et des meilleurs. Le titre voulait s'imposer comme l'opus qui remettrait Sonic sur le devant de la scène afin d'en faire une icône pour la nouvelle génération de consoles. Malheureusement, tout a mal tourné et le jeu fut une véritable catastrophe en termes de développement. Délai impossible, mauvaise décision de tonton Sega, division d'équipe et départ de grandes figures, pour comprendre Sonic 2006, il faut tout d'abord comprendre comment le jeu a été fait. Et c'est dans cet esprit que nous allons revisiter la fabuleuse période de développement que ce jeu a subi, de 2004 jusqu'à fin 2006. Tout débute en 2004, alors que Shun Nakamura, l'homme derrière des titres tels que Samba de Amigo ou encore Billiature and the Giant Egg, excellent jeu, je vous le conseille, reçoit de la direction de Sega des informations à propos d'un futur gros reboot de Sonic, fait pour coïncider avec le 15e anniversaire du hérisson et qui prendra place sur la toute nouvelle génération de consoles. Avec ce projet, Sega voulait retourner aux bases simples de vitesse et plateforme du hérisson pour faire un jeu aussi attirant que les opus Mega Drive après que Sonic Heroes et Shadow the Hedgehog aient pris, disons, des chemins quelque peu bifurqués. Where's that damn fourth Chaos Emerald? Monsieur Nakamura allait alors, peu de temps après, être affublé de la tâche de game designer sur ce projet, chargé de développer le jeu avec son équipe. Les travaux de direction, quant à eux, allaient être gérés par Yojiro Ogawa, pendant que Yuji Naka, si vous vous souvenez, l'un des papas de Sonic, s'occupera de tout ce qui concerne la production. Un autre nom, bien moins connu, celui de Yoshinari Amaike, allait pourtant lui aussi jouer un rôle très important dans le projet, puisque c'est à lui que nous allions devoir son fameux moteur physique. Ça marche bien! En effet, Yoshinari Amaike eut passé la plupart de son temps en 2004 à travailler sur un jeu utilisant l'engine physique réaliste Havok, qui va très gentiment être annulé par Sega, qui vont alors déplacer Amaike sur le nouveau projet Sonic. Comme nous l'avons vu au fur et à mesure de son histoire, Sonic est un personnage de jeu vidéo innovant, aussi bien dans les technologies qu'il peut utiliser telles que le lock-on ou encore la puissante Dreamcast, mais également dans ses jeux, toujours bourrés d'idées et de concepts nouveaux. C'est donc dans cet esprit que cet engine physique va être intégré au projet, dû à l'envie de Sega de faire un Sonic plus ancré dans un monde réaliste afin de profiter des nouvelles consoles de la 7ème génération, mais également grâce à la proposition en résultant de notre cher Amaike d'utiliser comme base le jeu sur lequel il travaillait pour le développement de ce nouveau Sonic. L'idée plut beaucoup à Sega qui allait en plus pouvoir montrer les capacités de cet engine grâce au personnage de Silver et sa télékinésie. Mais nous reparlerons de ce petit gars plus tard. Sonic et le Dr Eggman allaient par ailleurs être redesignés pour l'occasion. Sonic allait se voir donner des pics et des jambes plus longues pendant qu'un look plus réaliste sera adopté pour Robotnik. Ce choix artistique est lié aux nombreuses interactions avec les humains que Sonic et ses amis auront tout du long du jeu, mais également pour parler aux joueurs plus âgés avec un ton global plus réaliste. Le projet Sonic 2006 était né. Et bien que celui-ci ne sera pas développé à plein temps avant début 2005, Sega exige très vite quelque chose à montrer pour l'E3 de cette même année. Pour cause du développement réel à peine commencé et la complexité que Shun Nakamura et son équipe éprouvaient à comprendre les nouvelles technologies, en particulier l'engine Havok, ils ne réussirent à mettre sur pied qu'une démo non jouable, une démo technique. Une démo technique, c'est un extrait vidéo pré-rendu qui peut soit simuler du gameplay ou bien juste donner un aperçu d'un jeu et de ce fait des performances potentielles d'une ou plusieurs consoles sur lequel ce même jeu tournerait. Et très souvent, ce que l'on peut voir dans ces fameuses démos techniques n'est pas trop à prendre pour argent comptant. Une démo technique, c'est un aperçu de ce que l'équipe espère rendre, plus qu'un aperçu du véritable jeu au final. Et très souvent, bien des choses peuvent s'avérer impossibles à rendre dans le produit fini. Dans la fameuse démo montée par Shun Nakamura et son équipe, on peut observer Sonic courir dans une forêt avant de faire un saut de l'ange dans le vide, un vaste paysage s'étendant devant lui. En retombant, il reprend sa course et des robots, supposément ceux du Dr Eggman, commencent à le prendre en chasse. Cette poursuite le mène dans un fort où il va alors les combattre tout en esquivant leurs tirs avec style et classe, bref, Sonic. Le tout avant une séquence où, une fois sorti du fort, un vaisseau semblable à l'aigle carrière de Sonic Adventure va arriver et larguer des troupes à n'en plus finir sur lui. Sonic se retrouve encerclé et commence alors à subir les tirs ennemis sans possibilité de fuite avant de tomber au sol. Mais c'est alors que de nulle part il se transforme en Super Sonic et fonce à travers la horde de robots avant que le trailer ne se finisse avec un plan sur une Chaos Emerald. Et waouh, c'était juste vraiment stylé en fait. Attendez, je vais comparer vite fait cette démo et le jeu final. Ouais, c'est moins beau, ouais. What the fuck? Et oui, vous l'aurez deviné, ici on est en plein dans la démo technique basique, très stylée et qui donne vraiment envie mais qui au final n'aura pas grand chose à voir avec le jeu final. Mais bref, en tout cas, quand le monde ne savait encore rien du jeu, le constat était là, cette présentation non jouable avait malgré tout convaincu. La presse était enthousiaste malgré l'ambiguïté du projet, et à ce moment-là, elle était très excitée à l'idée d'en apprendre et d'en voir plus. Ce défi passé avec succès, l'équipe du jeu pouvait se remettre au fourneau et... Oh! On me dit dans l'oreillette que les ennuis commencent.
Nous allons désormais entrer dans la psychologie torturée et déformée du géant Sega qui, grâce à ses décisions avisées, arrive presque toujours à ruiner les jeux qu'ils peuvent mettre en chantier. En tant que boîte de jeux vidéo japonaise, Sega va choisir de concentrer le développement de Sonic the Hedgehog 2006 principalement sur la PlayStation 3, qui s'annonçait alors d'ores et déjà comme un futur énorme carton au pays du soleil levant, afin de par la suite se contenter de porter le jeu sur la Xbox 360 pour simplement faire un peu plus de thunes, cette console n'ayant jamais rencontré un grand succès chez le public japonais. Et comme le reste du monde ne semble pas exister dans la tête de Sega, tout semblait rouler. C'était sans compter sur les nombreuses péripéties qui étaient sur le point d'arriver, celle de la fameuse version Wii du jeu déjà. Et oui, lol, elle était bien prévue, Sonic the Hedgehog 2006 devait sortir sur la petite nouvelle de Nintendo qui venait seulement de pointer le bout de son nez à l'époque. Malheureusement, ce portage ne pourra jamais voir le jour à cause de difficultés bien trop conséquentes à transposer le jeu sur une machine aussi peu puissante vis-à-vis des standards de la PS3 et de la Xbox 360. Et c'est réellement ici que tout va commencer à déraper. En effet, au vu de l'impossibilité d'avoir un joli portage de Sonic the Hedgehog 2006 pour la Wii, Ojiro Ogawa va décider de diviser son équipe en deux. L'une allait continuer de travailler normalement sur le projet en lien avec le 15e anniversaire du hérisson, pendant que l'autre allait, dans le même temps, préparer un tout nouveau jeu pour la Wii à partir de zéro. Ce jeu deviendra Sonic and the Secret Rings, qui à l'époque était connu sous le nom provisoire de Sonic Wildfire. Seul problème, Monsieur Ogawa, le directeur de Sonic 2006, hein, donc on le rappelle, il va tout simplement quitter son poste et le projet pour aller bosser sur Sonic Wildfire avec cette autre moitié d'équipe. Laissant Sonic 2006... sans directeur. Celui-ci ne va même pas s'arrêter là, puisque très vite, il déplacera encore plus de membres du projet Sonic the Hedgehog 2006 sur Sonic Wildfire, et Shun Nakamura, qui à l'époque n'avait que travaillé sur des petits projets et pas des jeux au premier plan comme « Oh, un gros opus Sonic en 3D !» doit prendre la place de directeur en plus de game designer, et il allait tout simplement être complètement dépassé par la tâche herculéenne qui l'attendait. Son équipe avait été charcutée dans tous les sens, et Sega, avec tout le bon sens qu'on leur connaît, n'a jamais renvoyé de talent pour les aider. Shun Nakamura se retrouve alors seul pour diriger le projet avec seulement une portion minime de son équipe originale. Et croyez-le ou pas, mais c'est que le début des ennuis. En octobre 2005, Sega annonce que Sonic the Hedgehog verrait sa sortie pour la fin d'année prochaine, sur PS3 et Xbox 360. Nakamura se rend alors compte de quelque chose. Darn, we're not gonna make it. Let's speed up. Il prend alors la décision de tirer un trait sur énormément de contenu, comme les idées des différentes zones ouvertes prévues en plus de Soliana, la location principale du jeu, ou encore le cycle jour-nuit, qui allait être complètement impossible à intégrer au vu de la lenteur du développement après le départ d'Ogawa. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'univers et la structure du jeu semblent aussi étranges et fracturés, nous faisant passer de la plage au désert pour arriver à la neige, sans vraiment de transition, ce qui, dans un jeu qui voulait mettre l'accent sur le réalisme et l'organicité, est un gros souci. Ces idées qui n'auront jamais pu être exécutées dans Sonic 2006 seront cependant reprises dans Sonic Unleashed et feront de ce titre un jeu incroyable qui a assurément plu à tout le monde, en particulier dans son fameux cycle jour-nuit. Quoi ? Mais hé, franchement, tout ne va pas si mal en vrai. Au moins Yuji Naka est encore là, donc... Ah. En mars 2006, Yuji Naka, le producteur du jeu donc, annonce son départ de Sega, admettant s'être lassé des tâches administratives auxquelles il avait été relégué. Il souhaite s'émanciper de Sonic, mais également renouer avec ce qu'il passionnait à la base, la création de jeux vidéo, et part alors monter sa propre boîte, Prop. Et il laisse donc à son tour, tout comme le bon Ogawa, Nakamura, seul, comme un gros con. Son départ était déjà une rumeur virale, mais cette perte, déjà un peu chiante pour Sega, est carrément dévastante pour Nakamura, qui à présent est réellement entièrement livré à lui-même, ne pouvant même plus simplement bénéficier de simples conseils ou aides du producteur du jeu, qui plus est de l'un des hommes à l'origine de Sonic. Oh, mais attendez, vous savez le meilleur dans l'histoire ? C'est que notre bon Yuji, il est parti avec encore plus de membres de son équipe, détruisant pour de bon la portion restante déjà très faible du staff originel. Pour Nakamura, la situation est évidemment plus terrible que jamais, et il décide alors de supprimer encore plus de contenu pour pouvoir espérer sortir le jeu à temps. Puisqu'à ce moment-là, 2006 est déjà bien entamé, et il ne reste plus que 8 petits mois avant la sortie fatidique du jeu. Ce charcutage en 8 a bien évidemment eu des conséquences énormes au sein du jeu, nous l'avons déjà vu sur les différentes zones ouvertes qui étaient prévues à la base, et le cycle jour-nuit qui furent totalement supprimés, mais l'impact se fera également sentir au niveau du scénario. Ah, le scénario de Sonic 2006, un grand classique s'il en est. Un récit bourré d'incohérences, de maladresses et de moments iconiques. Chaos Control! Et comme le scénario était déjà très compliqué et ambitieux à la base, imaginez le mettre en place dans un projet qui changeait drastiquement tous les deux jours. Forcément, ça ne pouvait pas bien se finir et quelques petites incohérences en ont alors profité pour se glisser dans le jeu. Comme par exemple,
The Scepter of Darkness. Et oui, le sceptre des ténèbres, le MacGuffin qui va permettre à Shadow d'avoir une histoire dans ce jeu, est à certains moments appelé Livre des ténèbres par les personnages. Have you retrieved the Book of Darkness? Book of Darkness. Book of Darkness. On peut aussi citer le fameux moment où, alors que nous chillons à Soleanna avec Shadow, le jeu va nous passer très tranquillement un fichier audio d'un comédien qui se rate et se reprend, comme si de rien n'était, parce que bon, pourquoi se faire chier. Agent Shadow, E123 Omega has engaged Mephiles. Head to the Wave Ocean, head to Wave Ocean. Agent Shadow, E123 Omega has engaged Mephiles. Head to Wave Ocean immediately. Ce ne sont que de minimes détails à première vue, mais ils sont assez parlants vis-à-vis de la pression sous laquelle le jeu a été fait et écrit. Malheureusement, Nakamura et son équipe n'avaient pas vraiment le temps de s'attarder sur des problèmes de scénario quand la date butoir pour la sortie du jeu s'approchait de plus en plus. Le seul objectif à ce moment-là était pour lui d'arriver à compacter toute cette merde ensemble pour que le jeu puisse être fini à temps. Et le temps commençait à manquer à l'approche de l'E3 2006, et celui-ci étant le dernier E3 avant la sortie du jeu, Sega avait exigé absolument quelque chose à présenter et de concret cette fois. Sonic 2006 n'avait jusqu'à présent jamais eu de démo jouable à faire tester aux joueurs. C'était le dernier moment possible pour rattraper ça. Nakamura et les 2-3 mecs bossant encore avec lui ont alors réussi à en concocter une, contenant un niveau avec Sonic et un niveau avec Silver. Oh, qui est Silver, vous me demandez? Belle transition, n'est-ce pas? Silver, c'est lui, un hérisson bleu venu du futur dans le but de sauver le monde de la destruction. C'est un nouveau personnage de ce jeu et à la base il devait s'appeler Venise en référence à la ville éponyme qui inspirait Soliana. Il devait également être un vison orange, bon vivant et fun, mais il fut changé plus tard aussi bien en termes de personnalité que de design pour mieux coller au ton général du jeu et bien s'intégrer aux autres personnages. C'est pourquoi Silver est un hérisson assez sérieux et mature dans le jeu final. Mais pourquoi m'embêter de toutes ces explications quand, comme le diraient les devs dans le script du jeu, basiquement, pensez Trunks de Dragon Ball. Mais bref, cet aparté mis de côté, les joueurs ont enfin pu poser leurs mains sur Sonic 2006 pour la première fois, et c'est la déception. Le jeu ne convainc pas vraiment et la réception de cette démo est extrêmement mixée. Le désastre qu'allait devenir le jeu pouvait se ressentir dès lors manette en main, mais les médias ne manquaient pas de préciser à ce moment-là que cela restait malgré tout une alpha et que le jeu verrait à n'en pas douter de grosses améliorations. La prochaine grosse difficulté du chemin particulièrement chamboulé de Sonic 2006 réside à la date du 27 septembre 2006, quelques mois avant la sortie du jeu, lors de la conférence Microsoft XO6 dans laquelle fut présentée une version du jeu contenant énormément d'améliorations. En fait, début 2006, Sega ont réussi à passer un accord avec Microsoft stipulant que Microsoft devait promouvoir le jeu comme un titre plus Xbox 360 pour l'Ouest, pendant que la version principale resterait la PS3 pour le Japon. Les améliorations que le monde a pu voir à cette conférence organisée par Microsoft étaient en fait le résultat du travail acharné de l'équipe qui s'occupait de porter le jeu sur Xbox. Parmi elles, on peut noter une caméra plus dynamique et vivante, de meilleures animations, plus naturelles et agréables, comme le homing attack et la course de Sonic, mais surtout de nombreux bugs corrigés. Toutes ces petites améliorations, bien que minimes, étaient si nombreuses que cette version fut très vite considérée comme la version supérieure du jeu. Non, franchement, là, sacré Sega, on peut dire qu'ils ont vraiment le sens du marketing, on sent l'expérience. Que puis-je faire d'autre que tirer mon chapeau? Ils ont un peu rattrapé le navire qui chavirait, finalement. Et si je vous disais que toutes ces améliorations furent supprimées définitivement à la sortie d'un nouveau build du jeu sur PS3? Non, je rigole. À moins que... Et oui, d'un point de vue de développement, la version PS3 restait l'attention principale, et Sega décidèrent d'ignorer totalement les améliorations de la version montrée à la conférence Microsoft, et d'à la place, la remplacer par un nouveau build de la version PS3, qui n'avait absolument aucune de ces améliorations. Mais pourquoi? Pourquoi? Putain! Ah, et vous vous souvenez de ce fameux accord? Le jeu ayant été promu par Microsoft sur nombre de leurs services en ligne, la démo de cette version améliorée était sortie sur le Xbox Live, trompant légions de fans et de joueurs innocents qui n'avaient aucune idée des enfers que la version finale leur montrerait. Et le jeu, selon cet accord, était en plus obligé de sortir à la fin de l'année sans possibilité de décaler la date. Mais bon, ça c'est pas si grave, puisque Sega allait de toute manière sortir le jeu à la fin de cette année pour respecter le 15e anniversaire de Sonic, parce que bah, what the fuck les gars, c'est quand même vraiment important quoi. C'est le jour maudit du 14 novembre 2006 que le jeu sort après des mois entiers absolument infernaux pour les développeurs, et le triste résultat est là. Le jeu est une catastrophe. C'est une très mauvaise réception, autant de la part des joueurs que de la presse. Le jeu est vivement critiqué pour des raisons que plus ou moins tout le monde connaît. Les écrans de chargement interminables, l'optimisation du jeu absolument chaotique, les bugs, l'histoire confuse, le manque de next-gen dans la manière de jouer, bref. Sonic 2006, c'est réellement le premier raté de Sonic et celui qui lui coûtera le plus cher. Aucune excuse n'est possible à trouver. Le jeu était un opus principal de la série et pas un spin-off bizarre comme Sonic Labyrinth ou encore Shadow the Hedgehog, et n'était pas non plus développé par des équipes occidentales comme pouvait l'être Sonic R. Il n'avait pas le droit d'être aussi mauvais.
Et pourtant, comme nous venons de le voir, en long, en large, en travers, il en avait des raisons d'être aussi raté, un développement infernal en sous-effectif, des plannings impossibles à tenir, et des barrières invisibles telles que l'anniversaire de Sonic à respecter, Sega a enchaîné les mauvaises décisions qui ont mené à ce drame. Beaucoup de gens ne sont absolument pas au courant de toute l'histoire du développement de ce jeu et vous en faisiez peut-être même partie vous-même avant de voir ma vidéo. A cause de cela, le jeu est considéré encore aujourd'hui comme un jeu juste nul, sans raison particulière. Mais... pour autant, est-ce qu'on peut vraiment juste l'enterrer comme ça? Est-ce qu'il est vraiment si mauvais? C'est le moment pour moi de vous présenter mon avis sur le jeu et voir s'il y a quelque chose à en sauver ou non. Le premier contact avec Sonic the Hedgehog 2006 se fait via la cinématique d'intro du jeu. Elle prend place durant un festival au sein du royaume de Soliana, au cours duquel la princesse Elise est chargée de rallumer un hôtel pour briller le soleil de Soliana, l'ordure. Juste avant d'accomplir sa tâche, Elise est cependant accablée d'une vision horrifique dans laquelle Soliana est détruite par un feu destructeur au milieu duquel un démon enflammé se dresse. Elle revient à elle, mais à peine le temps d'allumer l'hôtel, et voilà que le docteur Robotnik débarque et prend en otage la princesse ainsi que les gens l'entourant, pendant que tous les habitants qui assistaient à la cérémonie sont... mort. Il exige qu'Elise le suive afin qu'il puisse obtenir le secret des flammes du désastre et la Chaos Emerald qu'elle possède sur elle. Alors qu'elle semble hésitante, c'est ainsi que Sonic débarque. Et pendant que la princesse hallucine une fois de plus en voyant un mystérieux hérisson blanc à sa place, celui-ci fuse à toute vitesse autour de l'hôtel en détruisant les robots d'Eggman avant de s'enfuir avec elle. Le plan large de sa fuite nous emmènera sur Silver, le nouveau personnage de ce jeu, qu'Elise croyait voir juste avant et qui se contente de dire ces quelques lignes. I finally found him. The Iblis Trigger. Et la première chose qu'on remarque après cette cinématique, c'est « Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Où sont passées toutes ces couleurs, ces lumières, et pourquoi les jambes d'Elise sont oranges? C'est d'interne, j'ai l'impression d'être entouré par l'aura d'un cimetière. Alors c'est à ça que les cinématiques du jeu vont ressembler finalement? Ouais, bon, ok, ça va, après tout, c'est pas si horrible, et puis franchement, cette intro est d'une hype. Même si on comprend franchement rien. Mais bref, retour au jeu, et voilà qu'Elise se fait finalement enlever par le docteur Eggman pendant que Sonic... Bah regarde-le tout tranquillement finalement. On retrouve alors notre hérisson juste après, le lendemain, en train de chiller dans Soliana, et c'est à ce même moment que Tails apparaît et décide de s'allier à lui pour sauver la princesse. Et boum, ça y est, nous sommes réellement lancés dans le jeu, et déjà... C'est pas vraiment très beau, hein. Certes, pour un titre sorti au début de la PS3 et de la Xbox 360, c'est pas horrible non plus. La technique en elle-même reste passable, mais le tout manque cruellement de couleurs et de vie. Regardez-moi ce goulag, quoi. Tout ça, c'est sans parler de ce clipping de malade mental et de ses latences incessantes. Oh là là, la fluidité, c'est incroyable. Et malgré le fait que la dépression s'installe d'ores et déjà, tandis que le jeu commence à peine, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, puisque c'est à ce même instant que le jeu nous introduit à l'une de ses dynamiques principales, les hubs. Ces zones ouvertes vont être ce qui va lier les différents niveaux du jeu ensemble au sein d'un monde censé être organique, permettant dans le même temps à l'histoire d'avancer. Et ce, à l'aide des différents habitants présents qui vont pouvoir nous raconter diverses choses selon la couleur de l'icône au-dessus de leur tête. Le jaune signifiera qu'ils ont juste envie de partager leur vie de merde, l'orange quant à elle sera le signe qu'ils possèdent des informations importantes pour avancer dans le jeu, et la bleue pour finir sera l'indicateur qu'ils veulent vous confier une mission. Et bon alors oui, ok, c'est une idée à laquelle j'affublerai la note de pourquoi pas sur 20 sur le papier, mais au final c'est extrêmement mal exécuté. Déjà la plupart des dialogues simples sont absolument vides et sans intérêt, et ne développent même pas le lore du jeu, bref du remplissage pur et simple. Quant aux informations importantes, eh bien elles sont vraiment juste là pour permettre au jeu d'avancer, et on a plus l'impression de les recevoir de la part de tutos ambulants, plutôt que de véritables personnages censés être tangibles. Et pour ce qui est des missions, je pense qu'un exemple sera plus parlant que n'importe quelle longue explication. We'll be right back.
Ok, bon, pour faire simple, ça pue la merde. Mais vous savez ce qui peut empirer quelque chose de déjà aussi nul ? Des temps de chargement interminables. C'est simple, vous parlez à un mec, le jeu vous charge un dialogue du mec qui vous redit l'exacte même chose que quand vous lui avez parlé la première fois, avant de recharger encore une fois, ce coup-ci la mission. Mais putain de merde, pourquoi ? Bon allez, je quitte les hubs de ce jeu de con, allons plutôt faire le premier niveau. Ah mais en fait, je ne peux pas, il faut que j'aille d'abord acheter la course éclair ou light dash dans l'un des magasins du hub. Les magasins de ce jeu vont servir à acheter des capacités supplémentaires pour nos personnages, certaines d'entre elles étant carrément essentielles pour avancer dans le jeu, comme vous l'aurez compris dans cette situation par exemple, où je dois acheter le light dash pour accéder au premier niveau. Elles pourront être achetées grâce aux rings que nous allons récupérer à chaque fin d'épreuve ou de niveau et dont le nombre variera selon notre notation. Ça va aller de D, donc nul sans rings, jusqu'à la note S qui, elle, va vous ralasse et vous en donner 1000. Bon et bah alors... Oui, mais j'ai encore un problème. C'est que le jeu va essayer de créer une dynamique assez intéressante, typée RPG, si je puis me permettre, où genre tu farmes un peu et tu achètes tes items, sauf que le souci, c'est qu'il ne va y avoir absolument aucune profondeur ou intérêt dans ce système. On gagnera beaucoup trop de rings au fil des niveaux et épreuves, et la moitié des items dans le magasin sont totalement inutiles pour progresser dans le jeu, ou même pour ajouter de la rejouabilité d'une quelconque manière. C'est le cas des fameuses gemmes qui représentent en fait réellement la moitié du magasin une fois que l'on débloque tout son contenu, mais bon, je vous en parlerai, entends-vous. Bref, ces magasins et ces pseudo-mécaniques de RPG sont un échec cuisant, et du remplissage en fait, encore une fois. Bon, en tout cas, maintenant ça devrait être bon, j'ai mon light dash, direction le premier niveau. Bien, très bien, me voilà dans le premier niveau. Wave Ocean, alors, voyons comment on joue à ce jeu. C'est long là, non? Ok, ça y est, je suis in-game. Ouais, ok, alors je peux donner des coups de pied avec carré, ok. Si je maintiens, je peux glisser, ok, ouais, c'est un peu galère, mais pourquoi pas. Ok, on va aller défoncer ses ennemis maintenant. Ok, plutôt pas mal. Je suis plutôt bon, là. Ok, c'est parti. Le petit looping, stylé. Le grind sur l'eau, plutôt pas mal. Ah. Ok, bon, c'est un petit bug, c'est pas grave. Ok, on est reparti. Ah! Ah ouais, d'accord, ok, très bien, ok, c'est comme ça alors, ok, mais quelle puissance! Nous y revoilà. J'espère que cette fois, Sonic n'aura pas une soudaine envie de baiser le sable. Ah. Tiens, je ne savais pas que je jouais à Super Mario Galaxy, c'est plutôt stylé, la physique est moins bonne, hein. Ouais... Ok... Ok, ok, on est bon. Ok, alors... Ok, on vient d'avoir Sonic Adventure 2 en nul, c'était plutôt intense. Nice, j'ai réussi. Je suis plutôt bon au jeu Sonic, comme vous pouvez le voir, en réalité, quoi... Bah oula... Non mais j'ai fait exprès, allez, on va se les faire... Ah, ma meuf pense le contraire, mais si toi tu le dis, Sonic, ça va. Ah, cette fameuse manie de Sega de s'auto-référencer. Plutôt subtil, non? Ok, donc là, je suis sur un orc. Why not? Waouh, donc là, on joue Tails, ok, on va aller... on doit désactiver un interrupteur pour Sonic. Let's go. Comme d'habitude, on peut lancer des boîtes de rings. Ça semble pas très viable. Et je tombe. Ok, on en finit enfin. J'ai actionné l'interrupteur, Sonic peut désormais avancer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je jouerai enfin à Sonic? C'est juste... J'allais dire que c'est ouf, mais peut-être pas tant que ça, en fait. Ok, on saute. Ok, on re... Ça, c'est ce que j'appelle de la jouabilité. Non, mais là, les amis, le jeu bug clairement au bout d'un moment, faut arrêter, genre... Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors oui, le gameplay de ce jeu, comment dire, c'est compliqué. La plupart du temps imprécis et incontrôlable à cause d'une physique complètement à la ramasse, sans oublier cette sensation de rigidité constante qui donne vraiment l'impression que votre personnage se traîne un énorme balai dans le cul. Avec un gameplay pareil, à tas de la fin d'un niveau, et plus simplement se déplacer dans un jeu aura rarement été aussi pénible, et ce, quel que soit le personnage dont vous aurez le contrôle. Et d'ailleurs, parlons-en des différents personnages de ce jeu. Oui, parce que je ne joue uniquement que Sonic depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas par choix, hein. En effet, la première session de jeu doit forcément se faire avec Sonic avant de pouvoir changer pour Shadow et Silver, qui sont les deux autres personnages jouables dans ce jeu, mais que vous n'aurez la possibilité de jouer qu'une fois rencontrés dans l'histoire de Sonic. Cette structure est grandement inspirée de Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 ou encore Sonic Heroes, et nous permettra de jouer trois personnages totalement différents afin de parcourir les environnements du jeu sous toutes les coutures. Avec Shadow, le gameplay bénéficiera d'un aspect plus beat'em all, celui-ci possédant des capacités plus axées sur le combat, comme le spam de l'attaque téléguidée tel que j'aime l'appeler, ou encore la lance du chaos qui permettra d'immobiliser les ennemis.
A noter que nous retrouverons également les véhicules qui avaient été tant appréciés dans Shadow's the Hedgehog. Quant à Silver, notre nouveau venu, sa manière de jouer sera drastiquement différente des deux autres, et ce grâce à sa télékinésie, pensée en accord avec l'engine physique du jeu. Celle-ci nous permettra de prendre des objets, choisir de les lancer ou non, planer ou encore étourdir les ennemis, afin de pouvoir les prendre comme des objets, et ça, c'est franchement stylé. Et sincèrement, les trois idées de gameplay sont vraiment sympas, et... Mais non en fait, parce que là aussi c'est mal exécuté. Et ce déjà à cause du gameplay général. Buggé, imprécis, rigide, bref, le plaisir ne fait commencer. Avec Sonic, il se révélera sympathique et certainement le moins prise de tête des trois, mais sera sincèrement très compliqué à prendre en main. Ça va les trois quarts du temps à deux à l'heure, et dès que ça accélère un peu et qu'on a enfin l'impression de jouer bah à Sonic quoi, le peu de contrôle qu'on a nous fait nous cracher contre toutes les surfaces possibles et imaginables, les collisions étant en plus extrêmement frustrantes dans ce jeu. En plus de ça, il y a indéniablement un problème de level design énorme qui réside dans à quel point celui-ci est punitif et fermé. C'est simple, cette construction alliée à ce gameplay de patinoire, c'est juste pas possible de prendre du plaisir pendant plus de 30 secondes. À ne pas sortir de son contexte, bien sûr. Sans oublier les phases Max Speed qui sont juste de la torture pure et simple avec la rigidité du gameplay et les hitbox totalement buggés. Pour ce qui est de Shadow, bah je n'aurai qu'un mot, répétitivité. C'est sûrement le gameplay le moins buggé et chiant à prendre en main, mais on fait toujours les putains de mêmes choses qui, en plus, sont extrêmement insistées. Genre trop bien de spammer mon bouton croix pour tuer tous ses ennemis. Si on prend en compte par-dessus ça qu'il y a là aussi un énorme problème de conception de niveau qui accentue cette répétitivité, et spoiler, il y en a dans tout le jeu en fait, bah ça commence réellement à faire bouillir. Ah, et vous vous souvenez que j'ai cité des véhicules? Voilà, voilà. Mais tout ce que je viens d'aborder, ce n'est franchement rien vis-à-vis d'à quel point Silver est absolument infernal à jouer. Vous vous souvenez, hein, l'engine physique et tout? Bah, je le déteste. À cause de ce truc, c'est juste impossible de faire ce qu'on veut avec Silver. Quand on veut attraper des objets, des fois ça marche juste pas. Quand on réussit enfin à les attraper et qu'on veut les lancer, ils s'entrechoquent entre eux. Et au final, on ne touche aucun ennemi. Et ah, on va reparler du level design une dernière fois. Oh bah putain, bravo, là franchement, respect, mais encore. Ok, ne pas péter les plombs, ne pas péter les plombs, ne pas péter les plombs. Le gameplay de ce jeu, quoi qu'il tente et quoi qu'il fasse, reste imprécis, désagréable et buggé jusqu'à la moelle, avec l'une des physiques les plus ridicules que j'ai pu voir de ma vie. Quant au level design, c'est un foutoir sans nom, composé à moitié de remplissage, même pas dissimulé, où on refait les mêmes choses en boucle. Basiquement, un niveau de Sonic 2006, ça se résume à peu près comme ça. Vitesse, combat, plateforme, vitesse, le tout multiplié par 3, fin du niveau. Et c'est sans parler de tous ces moments débiles où genre, là par exemple, je viens de prendre ce bumper, selon vous, je dois faire une attaque téléguidée pour atteindre ce tapis roulant devant moi? Non? Raté, je devais en faire un. Trop drôle, non? Ah, et j'ai oublié de le préciser parce que, vraiment c'est ridicule, mais d'autres personnages, en plus de Sonic, Shadow et Silver, sont jouables dans ce jeu. Dans l'histoire de Sonic, nous aurons la possibilité de jouer Tails et Knuckles version Sonic 2006, c'est-à-dire avec des contrôles infâmes et des physiques ridicules que Sonic Adventure surclassait déjà il y a 10 ans. Avec Shadow, ce sera Rouge et Omega et... Ouais, voilà. Quant à avec Silver, on pourra jouer dans son histoire Blaze qui, oh mon dieu, a un semblant de gameplay intéressant à base de sortes d'attaques téléguidées et d'attaques de feu. Ok. Et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bien, ceci étant fait, penchons-nous maintenant sur les boss de ce jeu. Et oui, qu'est-ce qu'un Sonic est plus globalement un jeu sans des boss? Ces ennemis que l'on doit terrasser pour pouvoir avancer. Bon, je fais du suspense ou pas? Bah oui, encore une fois, c'est vraiment pas ouf, c'est long, répétitif, buggé, en fait c'est pareil que le jeu en général. Et j'ai vraiment rien d'autre à dire, désolé, là l'inspi me manque tant c'est juste ça quoi. Mais bref, parlons de quelque chose de plus intéressant. Vous vous souvenez des fameuses gemmes dont j'ai parlé, achetables dans les magasins vers la fin du jeu? Maintenant que je vous ai bien parlé du gameplay, je pense que c'est le moment de les aborder. On a un total de 7 gemmes achetables dans le magasin. Une rouge qui permet de ralentir le temps, une jaune donnant un bouclier magnétique censé attirer les anneaux et qui protège d'une attaque, une verte qui offre la possibilité de créer des tornades, une bleue claire qui met à disposition du joueur une pierre à lancer qui le téléportera à l'endroit de son atterrissage, une bleue foncée octroyant un turbo un peu comme dans Sonic Unleashed, une violette qui va rendre votre personnage minuscule parce que... J'en sais rien en fait, genre c'est comme ça. Ainsi que pour finir une blanche qui permet de viser pendant un moving attack en le maintenant en l'air. A savoir qu'une gemme arc-en-ciel était prévue à la base et qu'elle aurait permis de se transformer en forme super à n'importe quel moment. Il ne reste malheureusement de cette gemme que l'animation, sans aucun effet dans les fichiers du jeu. Et bon alors bah c'est rigolo tout ça, mais ça sert vraiment à rien du tout dans le jeu. En termes de bonus, j'ai rarement vu aussi maladroit et inutile. Ça n'apporte littéralement aucune rejouabilité ou quoi, c'est sûrement simplement les vestiges d'idées supprimées, et bon bah ça aurait été bien de les supprimer aussi quoi, surtout quand ça amène ce genre de truc dans le jeu. Mais ok, ok, donc là le jeu a genre vraiment pas beaucoup de qualité, mais je suis sûr que ça peut encore s'arranger. Quoi? Iblis trigger. Oh non. Et c'est là que l'histoire entre en scène. Et con comme je suis, je vais me lancer le défi de vous la résumer. L'histoire de Sonic 2006 est une histoire complexe et sombre, ponctuée de voyages dans le temps et de combats épiques. Ce récit, basé sur le modèle encore une fois d'un Sonic Adventure, est divisé en 3 scénarios, un pour chaque personnage qui vont au final se rejoindre pour débloquer le dernier scénario et former le puzzle complet.
Et j'ai déjà un problème avec ça, mais on y reviendra juste après vous avoir un peu raconté l'histoire. Le jeu nous raconte les aventures de Sonic à Soliana en compagnie de la princesse des lieux, Elise the Third, après qu'il l'ait sauvée d'une terrible attaque menée par le docteur Eggman. Le docteur, comme à son habitude, montre des intentions qui ne disent rien qui vaille, et a raison puisqu'il désire capturer Elise afin de découvrir le secret des flammes du désastre. Ces flammes du désastre, ce sont Iblis, un démon scellé à l'intérieur d'Elise et qui dans le futur détruira le monde. Silver, le nouveau personnage de ce jeu, vient de ce monde, un univers en ruine, sans cesse oppressé par les flammes, où le ciel bleu n'est plus que ténèbres et noirceur. Iblis, peu importe le nombre de fois où il est battu, renaît de ses cendres et continue de mettre à mal son futur. Pour remédier à cela, Silver va se voir donner l'opportunité par un étrange personnage du nom de Méphiles de retourner dans le passé, afin de changer le futur, en découvrant pourquoi Iblis fut libéré de l'enceinte d'Elise et tenter de faire en sorte que ce ne soit jamais le cas. Cependant, Méphiles ment à Silver et lui fait croire que Sonic est à l'origine de la libération d'Iblis. Celui-ci va alors se mettre en tête de le tuer afin de sauver son monde. Dans l'histoire de Shadow, nous en apprendrons plus sur Méphiles et Iblis qui sont en fait les deux parties du Soleil de Soliana, le dieu du royaume, amené à la vie par le père d'Elise dans le but d'accomplir le projet Solaris. Solaris est la forme finale du Soleil de Soliana que Méphiles et Iblis atteigneront s'ils fusionnent ensemble. Sonic 2006 sera donc une course contre la montre, à travers le temps, pour empêcher le réveil d'Iblis et cette fusion d'arriver, auquel cas le monde serait perdu sous le contrôle d'un être dépassant toute notion de réel, un véritable le dieu régnant sur l'existence tout entière. Bon alors voilà, et... C'est le bordel, hein, quand même. Et alors déjà que c'est très complexe en soi, cette histoire est, je le rappelle, divisée en trois. Revenons donc au problème que j'ai dont je parlais juste avant de résumer brièvement l'histoire, et bah c'est justement à propos de ça. Il est selon moi absolument impossible de narrer correctement une histoire aussi énorme et vaste sur trois scénarios qui vont chacun raconter des choses aussi drastiquement différentes. Le problème que ça apporte, c'est que le premier scénario que vous ferez sera totalement incompréhensible. Avec Sonic par exemple, où genre vous allez à un moment du jeu vous retrouver dans le monde de Silver en train d'affronter Iblis, et sans les explications que j'ai données avant, bah croyez-moi que vous êtes juste comme ça devant votre écran. Cette manière de procéder via trois scénarios différents fait qu'on ne comprend rien aux enjeux de l'histoire avant d'en avoir fait les trois quarts, et c'est un problème. A mon avis, il aurait mieux fallu réunir tout ça en une seule et même histoire où on aurait pu jouer Sonic, Shadow et Silver chacun leur tour, avec beaucoup d'indications sur où et quand se passe l'action, un peu à la manière de comment Sonic Adventure 2 racontait ses histoires avec tous ses écrans noirs qui donnait plein d'infos sur le contexte. Ça aurait permis de dynamiser efficacement l'histoire sans laisser le joueur dans l'incompréhension trop longtemps. Et avant que vous me disiez que c'est idiot de critiquer ça parce que Sonic Adventure 1 et 2 ainsi que Heroes le faisaient, je n'aurais qu'une seule chose à vous répondre en gardant l'exemple de Sonic Adventure 2, c'est que même si lorsqu'on ne faisait que l'une des deux histoires, beaucoup de zones d'ombre subsistaient, ça restait des zones d'ombre et pas genre juste du « j'ai rien compris de bout en bout ». Ces zones d'ombre piquaient notre curiosité et menaient, naturellement, à faire l'autre histoire qui allait ensuite débloquer le climax du jeu. Ça c'est une formule qui marche et qui ne tabasse pas le plaisir du joueur au sol. Et c'est ce que Sonic Adventure 1 et 2 ainsi que Heroes faisaient. Parce que le problème avec Sonic 2006, c'est que je viens de passer 6 heures à rien comprendre, et rien de palpitant non plus, ça me donne tous envie de comprendre la suite puisque je ne suis pas engagé. Je pense que le jeu n'aurait, en ce sens, pas dû garder cette formule aventure, qui en plus apporte d'autres soucis tels que le fait de nous faire jouer les mêmes niveaux en boucle avec très peu de variations, du remplissage en quelque sorte en fait, encore une fois, ça devient récurrent. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Et je sais bien que beaucoup d'entre vous qui ont fait Sonic Adventure 1 et 2 ainsi que Sonic 2006 ou peut-être même Heroes ont sûrement dû jouer les différentes histoires en parallèle, mais ça n'a pas été mon cas et je n'aime pas procéder comme ça. Pour moi, le jeu n'aurait simplement pas dû laisser autant de liberté dans la manière de vivre son histoire. Fou, ça commence à faire beaucoup et en fait voilà ce que c'est Sonic 2006, un jeu buggé jusqu'à la moelle, très souvent extrêmement débile et avec un scénario complètement décapité dans tous les sens. Un véritable échec de bout en bout en termes de divertissement vidéoludique, une catastrophe sans nom qu'une ambition beaucoup trop grande a perdue. Mais vous savez quoi ? Eh ben je l'aime quand même ce jeu. Eh oui, quel retournement de situation. Ça fait pourtant 10 minutes que je crache dessus non-stop, mais oui, j'aime ce jeu. J'aime cette tentative d'adopter une toute nouvelle ambiance plus sombre et réaliste qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir dans un jeu Sonic et qui fait plutôt mouche au final. J'aime ce gameplay très souvent incontrôlable et idiot pour la satisfaction que le maîtriser apporte. J'aime la variation des styles de jeu, de l'adrénaline d'un Shadow aux mécaniques plus posées d'un Silver. J'aime ce level design qui enchaîne très souvent les bonnes idées et les moments agréables. J'aime me plonger dans ces niveaux comme Crisis City ou Kingdom Valley qui t'enveloppent totalement dans leur atmosphère. J'aime le sentiment de gigantisme global qui se dégage d'absolument toutes les batailles de boss. Je bande tellement fort sur cette soundtrack complètement phénoménale dont littéralement tous les thèmes sont mythiques. J'adore l'univers de ce jeu et son scénario qui sont portés à l'écran avec du cœur et la volonté de faire quelque chose de réellement cool. J'adore Elise pour son arc qui va lui réapprendre à sourire ainsi que Silver pour ses motivations nobles et sa naïveté. Au final, j'aime le cœur qu'a ce jeu. Certes, c'est loin d'être parfait et je pense que je l'ai suffisamment fait comprendre, mais il y a du cœur, c'est ce qu'il faut en retenir. Ce jeu est en réalité un projet absolument pas fini, qui n'a malheureusement pas pu être peaufiné suffisamment. Et pourtant, tellement de bonnes idées et de potentiel peuvent se voir si on passe outre énormément de ses défauts. Je veux dire, il suffit de regarder ce scénario de malade mental qui va jusqu'à aller nous faire affronter un dieu, genre carrément. Tous ces ups qui étaient prévus à la base, ce cycle jour-nuit, le mot qui définit Sonic 2006, c'est ambition. Une ambition qui aura coûté très cher au jeu, mais qui était plus que noble à la base. Une ambition de rendre Sonic cool, plus rapide et stylé que jamais.
Peut-être que objectivement ça a échoué, mais dans mon cœur à moi, ce jeu reste un jeu qui ne devrait pas être juste rangé dans la case nulle. C'est une leçon importante, aussi bien dans ses échecs que dans ses réussites, et sans Sonic 2006, pas de Sonic Unleashed par exemple. C'est un jeu mémorable pour son scénario qui amène Sonic à des niveaux qui n'avaient encore jamais été atteints et qui possède des morales réellement émouvantes, spécialement au niveau de l'histoire d'Elise, toujours sourire, peu importe les difficultés. Et qu'est-ce que serait ce scénario sans cette atmosphère sombre et anxiogène? Encore une fois, évidemment, c'est tellement, mais tellement imparfait, mais personnellement, ça m'a touché. J'ai aussi énormément apprécié les personnages, tous attachants, que ce soit les nouveaux qui bénéficient d'introductions et d'arcs bien pensés comme Elise ou Silver, mais aussi les anciens qui sont extrêmement bien caractérisés, comme Shadow qui est genre le meilleur personnage qu'il n'a jamais été depuis Sonic Adventure 2 et qui nous offre l'un des moments les plus iconiques de son histoire. Tout ça, c'est sans parler de ce level design qui comptait révolutionner Sonic et le ramener à des bases plus simples et efficaces que les bifurcations qu'avaient pu prendre Heroes et Shadow the Hedgehog, et qui possède malgré tout certaines fulgurances. Cette OST, encore une fois simplement parfaite et maîtrisée de bout en bout, qui vient ponctuer de manière pertinente chaque instant de cette aventure. OST que vous avez d'ailleurs majoritairement pu écouter tout du long de cette vidéo, et rassurez-vous, c'est complètement légal bien sûr. Objectivement, évidemment, ça reste un jeu majoritairement mauvais, et c'est pour ça que la leçon principale qu'il faut en retenir, c'est de prendre son temps pour développer ces jeux, et surtout ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Car même si j'en parle comme un jeu très positif depuis tout à l'heure, bah il a quand même eu un impact absolument terrible sur Sonic. Il a laissé une tache indélébile sur l'histoire du hérisson qui le suit depuis maintenant 14 ans, et l'a amené là où il se trouve aujourd'hui, sous la peur des développeurs de retenter des choses comme ce jeu. Depuis Sonic Colors, Sonic est coincé sous le joug de vouloir plaire à tout le monde, et son personnage ainsi que ses histoires ne sont même plus prises au sérieux. Sonic s'est perdu et n'est actuellement plus que l'ombre du personnage qu'il était vraiment. C'est pour ça qu'aussi mauvais Sonic 2006 peut être, je l'aimerais toujours pour ses prises de risques et sa compréhension de Sonic, de l'histoire jusqu'au gameplay. Oui, Sonic embrasse Elise sur la bouche et est relativement plat tout du long de l'aventure, mais pourtant son esprit reste totalement capturé dans sa manière d'être et sa gestuelle. Pas besoin d'en faire des caisses pour qu'on ait l'impression de voir Sonic à l'écran. En conclusion, Sonic 2006 est un jeu incontestablement mauvais, mais qui, de par ses bonnes idées et son cœur, a bien des raisons de pouvoir être apprécié. La frustration d'avoir dû sortir un jeu bâclé de la sorte est restée chez Shun Nakamura et son équipe, et est encore présente aujourd'hui. Celui-ci prendra d'ailleurs la parole sur ce sujet dans une interview via ces quelques mots. Le développement sur les consoles next-gen s'est révélé très compliqué pour nous, avec de nombreuses choses que nous n'avions pas comprises. La variété des nouvelles technologies, des nouveaux composants, avec cette quantité énorme d'informations, ces choses se sont avérées être des aspects qui surpassaient de loin autant mes attentes que mon expérience. Yojiro Ogawa, le directeur qui a couru aussi vite que Sonic loin du projet, dira quant à lui, la raison pour laquelle nous avons probablement fini avec ce que nous voyons aujourd'hui découle d'éléments différents. Tout d'abord le fait que nous voulions lancer le jeu aux alentours de Noël, et bien que nous avions déjà la version PS3 sur laquelle nous devions travailler pour pouvoir lancer le jeu à sa sortie, l'équipe devait dans le même temps travailler sur la Xbox 360, ce qui a apporté beaucoup de pression. Avant la sortie du jeu, il était envisagé de porter le jeu sur PC un peu plus tard, et ça avait d'ailleurs été teasé sur des prospectus de l'E3, mais tout ça aura finalement été annulé, pour des raisons évidentes. Plus que ça même, Sega supprimera le jeu des services en ligne PS Store et Xbox Live en 2010, estimant qu'il continuait de ruiner la réputation de Sonic même 4 ans après. Shun Nakamura, des années après, dirigera le jeu Rhythm Thief and the Emperor Treasure, un jeu de rythme et de puzzle sorti sur 3DS et iOS, qui sera bien reçu par la critique. Cependant, celui-ci sera aussi l'un des producteurs principaux de Sonic Forces. Ojiro Ogawa, quant à lui, décida de partir de Sega en 2008 et ne semble pas avoir repris le développement de jeu depuis. Quant à Yuji Naka, pour finir, il ne retrouvera jamais le succès qu'il eut avec Sega et Sonic en dirigeant des titres tels que Let's Tap, Eevee the Kiwi ainsi que Rodea the Sky Soldier avant d'être engagé chez Square Enix à un poste inconnu. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo sur Sonic 2006, qui vous aura montré, je l'espère, à quel point un jeu aux premières apparences simplement nul peut cacher une infinité de secrets et de conséquences à long terme qui subsistent même encore aujourd'hui et ne s'estomperont certainement jamais. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo qui aura été un énorme défi pour moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Et en tout cas, voilà, je suis de retour cette fois-ci réellement. Ce n'est pas un bait pour me casser durant un an, encore une fois, évidemment. Non, je suis de retour, je vais essayer de faire des vidéos bah, principalement sur Sonic, puisque c'est ce qui m'inspire. Et puis voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. N'hésitez pas réellement à commenter, que ce soit en bien ou en mal, hein, puisque cette vidéo est quand même une grosse expérimentation. J'ai jamais autant bossé sur un projet, parce que réellement, bon, quand on regarde mes vidéos il y a 2 ans, ça fait un peu pitié, quoi. Donc j'étais en mode, cette fois, je vais faire un truc réellement bien, et j'espère que j'aurai réussi. À vous de me le dire. Et voilà,
bien simplement, je vous conseille de vous abonner, bien sûr, à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche, et puis voilà, juste, on reparlera de Sonic, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, mais aussi d'autres jeux, attention, parce que je ne suis pas juste une chaîne Sonic, malgré le fait que je sois un immense fan de ce petit hérisson bleu. Voilà, et bien, c'était tout. Simplement, à la prochaine, du coup, hein, voilà. Salut à tous.